vous allez bien? Je suis super heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour mon tout premier vlog. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je m'appelle Nadia, je suis illustratrice à mon compte. Et pour les autres, vous êtes sans doute tombés sur cette vidéo parce que vous me suivez sur Instagram. Comme il s'agit de mon tout premier vlog, je pensais que ça serait intéressant que je vous parle un petit peu déjà de mon parcours. Et ensuite, j'aimerais bien vous parler un petit peu de mes projets que j'ai pour cette année. Et en troisième, je répondrai à des questions que vous m'avez posées cette semaine dans la petite FAQ que j'ai fait sur mon Insta. Je pense que j'en referai d'autres. Ne vous inquiétez pas si vous n'avez pas pu poser votre question. Et au cas où, vous pouvez toujours m'envoyer des messages ou poster vos questions sous la vidéo et j'y répondrai dans une prochaine vidéo. À la fin du lycée, j'avais déjà cette volonté d'étudier quelque chose en rapport avec l'art et je me suis penchée vers le design graphique. J'ai cherché des écoles, je voulais absolument faire une école publique. Et comme j'avais fait une filière générale au lycée, il fallait donc que je passe d'abord par une MANA, donc une mise à niveau en art appliqué, avant de pouvoir intégrer un BTS. Et c'était pas forcément quelque chose que j'avais trop envie de faire. Au final, j'ai opté pour une école d'architecture, donc rien à voir. Enfin, si, ça reste quand même en rapport avec l'art. Et en fait, ce que j'aimais bien, c'était que c'était un peu un compromis entre un métier artistique et un peu plus un métier un peu plus technique. Ce que j'ai réalisé plus tard, en fait, c'est que pour être architecte, déjà, t'as pas vraiment besoin de savoir dessiner de base. C'est pas vraiment ce qui va primer dans le métier. Donc j'ai eu un peu une déception par rapport à ça. Mes études, j'avais commencé à faire des petites BD sur papier et je me suis dit pourquoi pas ouvrir un compte Instagram où je posterai toutes mes BD. C'est donc à ce moment-là où j'ai créé mon premier compte artistique sur Instagram qui s'appelle La Pause Caf, où je postais plein de petits sketchs, des petites BD. J'étais assez fière de moi parce que en l'espace d'un an, j'ai réussi à gagner à peu près 1000 abonnés. Bon, après, pour certains, ça peut peut-être paraître pas énorme, mais moi j'étais déjà super reconnaissante et super heureuse d'avoir réussi à atteindre un tel public. Je me suis donc créé un deuxième compte Instagram, Nadelanada. Donc dernièrement, je suis beaucoup plus active sur ce compte que sur La Pause Caf, même si je recommence à poster quelques petites BD de temps en temps. Pour retourner à mon parcours, du coup, pendant un an j'étais vraiment dans le flou, je savais pas trop quoi faire de ma vie. J'avais fait quelques entretiens dans des agences d'architecture, mais je me suis fait recaler à chaque fois, sans doute parce que moi-même j'étais pas trop sûre encore de ce que je voulais faire. À un moment j'ai même vraiment pensé à devenir artiste tatoueuse.
J'ai voulu construire un book avec que des dessins faits sur papier. J'en ai finalement fait qu'un seul. Finalement, j'ai très vite abandonné l'idée d'être tatoueur. Je me suis dit que c'était vraiment hors de ma portée, j'étais pas assez douée pour ça. Donc voilà, j'ai carrément laissé tomber. Puis, grâce à Instagram, j'ai commencé à avoir quelques commandes de portraits personnalisées. J'ai même eu un projet assez important d'un album souvenir. Je sais pas trop comment l'appeler, en gros, c'était sous forme de BD, mais juste avec des images et une phrase descriptive à chaque fois, qui racontait un peu l'histoire d'un couple. Et c'était censé être un cadeau pour leurs 25 ans de mariage. J'ai également réalisé un arbre généalogique pour de cette même famille. Ces projets m'ont finalement montré que c'était possible de générer des revenus grâce à ma passion. Et en plus, je voyais beaucoup d'artistes sur Instagram qui vivaient de ça. Mais en fait, tant que ça t'arrive pas à toi, t'arrives pas vraiment à y croire. D'autant plus que la seule com que je faisais, c'était sur Instagram. Et encore, c'était pas fou. Mais de cette manière, en fait, j'arrivais déjà à avoir des clients. Donc je me suis dit, imagine-toi si tu faisais beaucoup plus de com, t'aurais beaucoup plus de clients et tu pourrais carrément vivre de ça. Des objectifs premiers que j'ai cette année, ça serait de collaborer avec des marques ou des petits créateurs indépendants, petits ou grands d'ailleurs. J'avais notamment commencé à réfléchir à un concept pour des packaging de type affichage pour des boucles d'oreilles. Enfin, je sais pas trop comment appeler ça, mais vous pouvez voir la vidéo que j'ai postée sur Instagram de comment j'ai réalisé ces petits supports. Donc l'idée, ça serait de vendre ces petites images sur internet au format numérique. Je sais pas encore quel prix j'aimerais mettre dessus, mais je pense probablement entre 20 et 30 euros. L'idée, ça serait donc de pouvoir imprimer ces petites images chez soi. Et j'ai également laissé un petit espace au-dessus de mon pseudo pour que la marque puisse poser son propre logo. Il suffirait ensuite de faire des petits trous pour y insérer des boucles d'oreilles. Pour l'instant, à cause du format, on peut juste y insérer des boucles d'oreilles de type clou, c'est-à-dire pas de créole. J'aimerais également pouvoir appliquer le système à des colliers, mais comme il faut des plus gros trous, j'ai pas encore trouvé une manière simple de les faire de façon à ce que ça reste esthétique. Donc voilà, si vous avez des idées, je suis preneuse. Le deuxième projet que j'avais en tête en ce moment, c'est les portraits personnalisés à prix abordable. C'est-à-dire à prix abordable, donc l'idée ça serait que
parfois, enfin, je comprends que pas tout le monde ait un budget pour un portrait personnalisé à fond. Donc l'idée, ça serait en fait que je puisse développer un type de portrait sur lequel je passe le moins de temps possible, mais qui puisse me générer quand même un petit revenu. C'est un projet que j'avais commencé à mettre en place sur mon Instagram et je l'ai appelé portrait personnalisé photo de profil. Donc ça consiste à avoir un portrait dans mon style de dessin. Pour l'instant, je les vends 25€, mais sur le long terme, je sais pas si ça sera viable. C'est pour ça que voilà, en ce moment j'essaie de développer cette méthode qui me permettra de passer le moins de temps possible dessus, mais quand même avec qui permettra d'avoir un certain degré de personnalisation. J'ai commencé à créer un fichier sur Procreate qui sera constitué de différentes bases que je pourrai modifier. Mais ça, je pense que je vous en parlerai un peu plus en détail dans une prochaine vidéo. J'ai également un deuxième format en tête de portrait personnalisé à prix abordable qui serait celui-ci plus adapté à des portraits de groupe. L'idée, ça serait un peu la même, c'est d'avoir une base et ensuite d'ajouter des éléments pour le personnaliser, mais sans pour autant y passer trop de temps. Alors, je vous montre celui-ci que j'ai réalisé pour offrir à une amie pour son anniversaire. Donc, il représente notre petit groupe d'amis avec nos noms écrits dessous. Je trouve que c'est un format vraiment sympa pour, par exemple, un cadeau de groupe. C'est assez personnel sans pour autant être hors de prix. Et je pense que ça fait plaisir. Voilà, c'était mon petit moment d'auto-pub. Le troisième projet que j'ai en tête, ça serait d'ouvrir une boutique en ligne. Pour l'instant, j'hésite encore entre deux types de plateformes, à savoir Etsy et Redbubble. J'hésite encore parce que ces deux plateformes présentent des avantages et des inconvénients. Donc en gros, pour ceux qui ne connaissent pas, Etsy c'est vraiment comme une vraie boutique physique, mais en ligne. C'est-à-dire que tu gères tes propres stocks, tu t'occupes de prendre en charge toi-même les commandes et les envois. Je pense que c'est donc quelque chose qui prend pas mal de temps. Il faudrait que j'aille imprimer moi-même mes produits, savoir à peu près combien produire, acheter des enveloppes, acheter des timbres, des emballages, aller à la poste. Bref, pas mal de choses à gérer. Mais d'un autre côté, le site ne prend qu'une petite partie de tes revenus et le reste, ça va dans ta poche. En ce qui concerne Redbubble, c'est un fonctionnement totalement différent. À savoir que le seul truc que tu fais, c'est mettre en ligne ton design, choisir les articles sur lesquels tu veux l'imprimer. Donc y a des stickers, coques de téléphone, des carnets, des housses de coussins, enfin tout ce que tu peux imaginer en fait. Et le site s'occupe de tout. C'est donc ça se base donc sur un système d'impression à la demande. Ils vont produire l'article que si quelqu'un l'achète d'abord. Donc l'avantage, c'est que t'as rien à gérer. Tu peux vendre autant de designs que tu veux sans te soucier des stocks qui ne vont pas s'écouler puisqu'il n'y a pas de stock. Tu n'as pas à t'occuper des commandes, c'est le site qui gère tout en fait. L'inconvénient, c'est qu'ils prennent quand même une grosse partie de tes gains. Selon les sites, ça varie, mais je sais que par exemple sur Society6, qui est un site un peu le même genre que Redbubble, tu récupères seulement 10% du prix de l'article. Thank you.
J'ai commencé à dessiner, je pense, à peu près comme tout le monde, à partir du moment où je savais tenir un crayon. Et bon, je pense que le dessin, ça a toujours été une grosse partie de ma vie. J'ai fait ma première BD, je pense que j'avais 8 ans. C'était une version de Blanche-Neige ou de Cendrillon, je sais plus, en BD. Je me suis mise à dessiner vraiment plus sérieusement à la fin de mes études, donc à peu près au moment où j'ai commencé mon compte Insta Nadelanada. C'est là où j'ai vraiment progressé et j'ai eu un rythme assez régulier. Je postais un dessin à peu près toutes les semaines. J'ai appris à dessiner principalement par moi-même. J'ai jamais vraiment fait de cours de dessin. Je me souviens, il y a très très longtemps, j'avais acheté un livre pour apprendre à dessiner des mangas. Je sais pas pourquoi, mais je pense que si on aime bien dessiner, on est tous passés par cette phase manga. Et du coup, dans ce livre-là, j'avais appris plein de techniques super intéressantes. Je pense que ça m'a vraiment fait progresser. J'ai appris en observant d'autres artistes dessiner, en essayant de copier leur technique de dessin. Et au fur et à mesure, en fait, automatiquement, j'apprends à dessiner mieux certaines choses. En fait, j'ai appris à dessiner en dessinant, tout simplement. Le dessin dont je suis le plus fière, je pense que ça sera mon dernier dessin. Je trouve que j'ai vraiment réussi à exprimer ce que je voulais et je suis assez fière du mélange entre le style un peu aquarelle avec les détails un peu plus contemporains. Vraiment, ça dépend. Des fois, je peux passer une demi-heure sur un dessin, des fois plusieurs heures, des fois jusqu'à plusieurs jours. Ça dépend vraiment du dessin. Souvent, je suis pas satisfaite de ce que je fais, donc ça m'arrive de recommencer le dessin complètement. Par exemple, celui-ci, ben, ça fait 8 heures que je suis dessus. Mais en moyenne, je dirais que je passe à peu près 4 heures sur un dessin. Comme je l'ai dit auparavant dans la vidéo, je fais aussi un peu de BD, mais à part ça, je fais principalement des portraits. Même si c'est vrai que j'essaye de m'ouvrir un petit peu plus à d'autres choses en ce moment. Notamment, j'essaie de créer des arrière-plans un peu abstraits. J'aime beaucoup jouer avec des effets d'aquarelle. Donc voilà, j'ai essayé plusieurs fois d'intégrer des fruits ou des fleurs dessinées en style aquarelle. Mais sinon, ouais, j'adore dessiner les portraits. Alors oui, ça m'arrive. Des fois, je fais des dessins et il se trouve que je suis pas du tout satisfaite du résultat. Alors je recommence et je recommence et je recommence. Mais en général, quand je loupe un dessin, soit j'arrête totalement à mi-chemin, soit je recommence plusieurs fois le dessin. Mais en général, quand je termine un dessin, je suis quand même assez satisfaite. Enfin, les dessins que je poste, c'est des dessins dont je suis à peu près satisfaite, mais ensuite, avec le temps, je me dis, ah oui, quand même. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Comme toute bonne chose, cette vidéo touche à sa fin, malheureusement. N'hésitez pas surtout à poster dans les commentaires, à me dire si ça vous a plu, si vous avez des questions, si vous aimez ce format. Si oui, j'en referai d'autres. Sinon, je referai sans doute des vidéos, mais dans un autre format. Parce que franchement, je me suis vraiment éclatée à la faire. Le montage, c'est tout nouveau pour moi. Donc voilà, soyez un peu indulgents, s'il vous plaît. Je vous remercie énormément d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un pouce en l'air et à vous abonner.
Mine de rien, c'est un tout petit geste, mais qui m'aide à gagner en visibilité. Et suivez-moi sur mon compte Instagram. Je l'ai posté en bas. Et on se voit sur Insta et sur une prochaine vidéo. Bye!